Castex, donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, Lily aussi, donc si vous l'entendez c'est normal, elle est juste là. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée parce que je viens de sortir de la douche. Tout simplement parce qu'on est dimanche et j'aime bien rester zen le dimanche. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu au titre, c'est pour qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Alors mon sac à main, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai changé parce qu'avant c'était celui-ci, je vais vous montrer en photo. Et je l'ai changé parce qu'en fait il devenait trop petit, mais vraiment trop petit. J'ai tellement de bordel moi quand je vais en ville ou quoi, j'emmène tellement de trucs. Donc mon nouveau sac à main, il est comme ceci, voilà. Donc je ne sais pas d'où il vient parce que je l'ai acheté en brocante tout neuf à 5€. Donc je ne sais pas la marque, enfin la marque c'est M by Mousticos, donc je connais pas. Je sais pas si à la base ça coûte super cher, je sais rien, je l'ai acheté 5€ en brocante. J'ai mis ici une breloque parce que hier en fait j'étais à un défilé pour les Miss et du coup j'étais à m'inscrire aussi au don du sang. Et du coup bah, ils m'ont offert ceci, donc je l'ai accroché à mon sac, hein. Voilà. Vous avez deux petites lanières, voilà, pour le porter à main comme ceci, voilà, et une grande chaînette comme ceci. Alors ici c'est en simili cuir, alors je sais pas si c'est du vrai cuir mais je pense que non, et ici c'est de la chaînette dorée en fait, voilà, comme ceci. Ça me fait penser au collier que j'ai, bref. Et donc voilà, donc moi je le porte plus avec la sangle, je crois que ça s'appelle, parce que voilà, moi je préfère les sacs à dos. Depuis que je suis maman, je préfère les sacs à dos parce que c'est plus pratique quand on a notre enfant à la main qu'avec l'autre sac à main sur la main. Je préfère le porter à dos, mais là j'ai décidé de prendre un comme ceci. Voilà, j'ai craqué dessus, il est super beau, mon copain l'adore d'ailleurs. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon la vidéo on va durer des plombs. Faites pas attention à mon lit. Purée, comment on fait ton lit quand tu fais tes vidéos? Non. Je vous montre vraiment qui je suis. Voilà, je suis une fille qui fait pratiquement jamais son lit. Voilà. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et en fait, vous avez des motifs comme cela, là. En fait, avec la marque. Et avec marqué moustique. Moustico, là. Et voilà comment ça se présente. Et là, là Liana, elle s'enfuit avec ma boîte à maquillage. Alors, dedans, présente comme si vous avez deux poches ici, deux petites poches, voilà, où normalement c'est pour mettre les téléphones, mais moi je ne mets pas mon téléphone. Et une poche ici à zip, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces trois poches-là. Donc dans la première, il y a mon désinfectant pour les mains quand je vais quelque part dans un resto ou quoi faire pipi. Vous avez de chez Yves Rocher le maracuja, l'édition limitée, c'est une gelée hydratante. Ça d'ailleurs, je vais l'enlever de mon sac à main parce qu'en fait, c'était pour l'été quand il faisait super chaud, quand il y avait la canicule. Et ça rafraîchissait super ultra bien. Deux marqueurs, voilà. Et un stylo plume Bic. Je sais pas comment dire ça, c'est un stylo à encre. Voilà. Comment ça s'appelle l'encre? Liana! Elle est en train de partir avec mes affaires. Bref, c'est pas très grave, c'est pas important. Alors ensuite, dans la deuxième poche, nous avons une cigarette électronique. Voilà. Parce que oui, je fume. Des chewing-gums. Voilà, vous en avez. Alors ceux-là, vous les avez vus dans ma vidéo. Dégustation américaine, donc je vous les présente pas, hein, c'est des chewing-gum. Nous avons un jeton de caddie et nous avons un bigoudi, je sais pas comment ça s'appelle, de mon haut qui avait cassé chez mon copain, donc du coup je l'ai mis là-dedans. Ensuite bah, vous avez mon paquet de cigarettes, hein, voilà. Ensuite dans l'autre poche à fermeture, nous avons un couteau qui fait tout en fait. Parce que je me suis déjà fait agresser et on ne sait jamais. Excusez-moi, Liana a fouillé dans mon placard où il y a mes bonbons et m'a piqué une sucette.
Si vous entendez mon père parler au babyphone, c'est normal. Et ensuite, donc, je parlais de cette poche-là. Nous avons aussi des mini twins tombola bonbons à sucer, bah, à la pastèque, hein, pour pas changer. Voilà, ça tombera pas plus bas. Et ensuite, on va parler de la poche principale. Poche principale, j'ai un petit truc comme ceci, voilà, de la marque Enjoy, que j'avais acheté il y a longtemps à Noz. Et en fait dedans je mets des babioles, en fait des trucs comme ça, voilà, pizza, ma carte de groupe sanguin, je mets de tout et n'importe quoi, en fait j'ai, voilà, des papiers. Des papiers qui servent des fois à rien. Mais bon, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai mon agenda que vous avez vu aussi dans ma vidéo, mes achats de vacances. Voilà, donc je note tout, voilà. Ouais, tout. Tous mes rendez-vous plutôt. Parce que mes vidéos, je les note sur un autre cahier. Les vidéos que je dois faire, que j'ai déjà filmées, etc. Ensuite, nous avons une brosse, voilà, qui est en fait qui est comme ça, qui est plate. Et on a juste à faire ça, hop, et voilà. Elle est super pratique, cette brosse, je ne sais même plus où vous l'avez eue. Ensuite, nous avons, alors je ne suis pas la fille à sac à main, youtubeuse parfaite, hein, voilà, moi je vous montre vraiment mon sac à main, ce qu'il y a dedans, puis c'est tout. J'ai mon porte-bonheur, voilà. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais en fait c'est lui qui est dans les Gardiens de la Galaxie, il me semble. C'est le petit arbre et c'est vraiment mon personnage préféré d'amour, et je l'avais acheté avec mon chéri d'ailleurs, et je le garde toujours avec moi, c'est mon petit porte-bonheur. Alors ça c'est pas du tout une poudre LF, hein. Je m'en sers comme miroir parce que j'ai plus la poudre. Voilà. Ensuite j'ai mon après solaire, voilà, que j'avais emmené de la marque Bruyère, voilà, que d'ailleurs il faut que j'enlève parce qu'il n'y a plus trop de soleil. Ensuite, bah, j'ai mon briquet, voilà, tout simplement. J'ai mon porte-monnaie pastèque, j'ai une petite trousse comme ceci, voilà, petite trousse que j'avais eu à Mariono dans une box, parce que Mariono fait des box. Et vous avez, bah, des trucs de filles, des médicaments, des lits marrons, des crèmes solaires que faut que j'enlève d'ailleurs. Hop, une crème hydratante, crème pour les mains, des lingettes intimes quand je vais au resto faire pipi ou quoi. J'ai mes médicaments encore, j'ai baume à lèvres, j'ai l'imamoune, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment la trousse à bordel, hein. C'est tout. Crise cardiaque, ma fille, je ne l'ai même pas entendue venir et elle est là, regardez, elle m'a piqué ma sucette. Je l'ai mis, moi, je voulais la manger. C'est pas grave. Ensuite, oh, j'ai eu la crise cardiaque de ma vie, là. Il m'énerve, ce haut. Donc, ensuite, je disais. Ensuite, j'ai des bonbons Mentos. D'ailleurs, je vais en prendre un. Ils sont tellement bons, eux. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont trop bons. Et ensuite, le dernier truc que j'ai dans mon sac, hein, j'ai pas non plus plein de choses. Liana, s'il te plaît. T'as les doigts tout collants. Donc, la dernière chose, c'est mon portefeuille. Voilà, que j'avais acheté 5 euros au marché. Et en fait, bah, je sais pas du tout la marque. Voilà. Il est trop beau, je trouve. Je vous l'avais mis dans mon Instagram. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où que je vais organiser le concours, etc. Vous verrez. Puis c'est là aussi que je dis toutes mes vidéos, etc. Donc vous voyez, vous avez mes cartes. Hein. Mes cartes, ça c'est mon chéri en photo. Vous avez toutes mes cartes en fait. Voilà. Tout simplement.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées qu'il faut prendre. Un petit sac moyen, pas trop petit ni trop gros, parce que moi je m'y connais, quand je mets un, quand j'ai un sac trop gros, ben je mets vraiment, vraiment plein de bordel. Donc c'est pour ça que je me limite à un sac moyen, ni trop petit ni trop grand. Donc voilà, pour mes ongles, c'est pas des faux ongles, c'est des ongles en gel, voilà, que j'ai fait moi-même. Voilà, que j'ai fait ce matin. Que j'ai fait ce matin. Je suis pas une professionnelle, hein. Mais je tenais à vous les montrer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et à la prochaine pour une autre vidéo, mes pastèques.